avocat du diable en direct de Kinshasa. Bolanda, bana les amis de Wetchi à Kinshasa, et bana poto, vous êtes déjà gâtés. Bolanda Bishop. Bana kin, bana ya partout dans le monde, vous allez Bolanda Bishop. En direct na Kinshasa sur la radio Télékin Malebo, pe bozali kolanda biso ailleurs dans le monde entier, que ce soit na Singapour, que ce soit na Bhoutan, que ce soit na Népal, que ce soit na Katmandou, que ce soit na Singapour, au travers www.lesamisdeweti.rdc.com, le long na kata Kinshasa, tozali le 17 mai, et zali journée spéciale. Oh, tu annonces qui bino émission les dialogues. Tu es comme ça, on a mousolé, Mousa Laurent Désiré Kabila. Bino mon gobo moni. Ba grand intervenant, bon moni ba grand acteur politique, bon moni ba grand acteur yamboka oyo, ndenga ba pesi idéologie à Mousse, ndenga ba lobby par rapport ya date ya le 17 mai. Bandeko, bobo sanate ke bozali kolanda biso en direct à Kinshasa, na Télékin Malebo, pe bozali kolanda biso na monde entier à travers les 3W, les amis de wetrdc.com. Tozali siko na avocat du diable, yemoko. Aouta qui poto, les transferts les plus chers à Sana Kinshasa, pour la copie, ça me donne une image qui toque au yo, il y a qualité à Malonga, mais à qualité supérieure. Vraiment, Bino Nyo Sika Bozali, Zambia Pambola Bino, restez toujours branchés sur la radio Télékin Malebo, ainsi que www.lesamisdeweti.rdc.com, site Yamunene, Oye Sili Sima Solo Internet, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans le monde entier. En direct de Mouzolé, Mouzé Laurent Désiré Kabila, à partir de Kinshasa, Bishop Fundu, pour les comptes des amis de Weti sur RTKM. Tokutani na ndeko na biso ya Bruxelles, papa Mbote. Mbote mingi. Eh, oye ko sala nini lelo? Awa nazali awa na mbela ya gouvernement. Ah, invitation au gouvernement. Invitation au gouvernement. Ba koloba te kolabo ou bien ça na cadre nini? Ata ba loba mwana ya Mobutu a ko changer te a ko zala kaka mwana ya Mobutu. Nga nazali mwana ya fidèle. Fidèle nani? A fidèle. A fidèle. Oui, mwana ya fidèle ya makila. Les lois affectent la biso puisque biso n'est au gagnant qui victoire. Oui, à Yebingaïté, c'est la famille générale, major André Kisasengando, commandant chef et chef d'état-major, il y a Afdel. Donc, il y a la famille Nangaï Awa. Si Manangaï, pour déplacer, il y a Moutazaraki, collaborateur, il y a Mouzé. Mais tu ressens la nénine, tu ressens la émission, parce que nous avons une image de nous, tu es FDL, tu es à Bruxelles, pour un commandant qui s'est Ngando. Tu es un commandant qui s'est Ngando, tu es un compagnon de Mouzé Laurent Désiré Kabila, tu es assassiné, dans le papa. Dans le Rwanda. Tu es assassiné dans le Rwanda, parce que tu es un koboya. Mouzé à côté na Barwande, comme Mazalaki nationaliste, Baboma qui est, na cadre wana, nde ba invité, famille, ya commandant, qui ça c'est Ngando. Merci beaucoup. Et là, on a souhaité, ils allaient bon anniversaire, na population d'abord, na ba victorie nyon, sobatou, touzaki bango, République le 17 mai, moukoule ango lelo oyo. Alors, na Zako Senga et Loko Moko, na Katia République, ba chef coutumier, nyonso yamboka ou yubayo kana. Ba politicien, nyonso yamboka ou yubayo kana. Ba toya basali anzambe, nyonso bayo kana. Toza la lingomba, moko, Congo yko kende de l'avant. Lelo tomoni yo awa. Et sali yo nini, dati ya lelo. Lelo bomoni biso awa, est-ce que lelo moutounion soyebi que lelo ezali 17 mai? Est-ce que moutounion soyebi que lelo ezali journée à Mouzé? Oyo ndenge bolele ki Lumumba, ndenge yepe a telemaki a sacrifié vina yepo Kongo ezonga. Congolais kolela, kolela, kolela passe, kolela, kolela, kolela passe. Mais le 17 mai finalement c'est quoi? Quand Mouzé dit naye kozongi sa la bino Congo, Congo na bino yangoyo. Na songi si bino nyonso na hymne national. Debout congolais. Bon, on est bandeli tina souka. Partout, tina souka baza ko rappeler bino qu'il y a des aïeux. Même quand on dit Don Beni, Nzambe, Pambola, Congo, Baba Kisi Yami Bale, Bakoko, Bo Pambola, Congo.
est-ce que l'hymne national est en train de se faire en train de se faire? Les lois à jour où Congo est en train de se faire en les lois à jour à Bankoumou. Retour à Congo, Congo à Bokoko. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes au mausolée de Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir de la date du 17 mai? 16 ans après la libération, nous pensons que cette révolution a permis à notre pays de connaître, je ne dirais pas une évolution, mais une véritable révolution dans les domaines des libertés, dans les domaines des droits, mais aussi aujourd'hui la ferme conviction que la RDC est sur la pente croissante de la renaissance économique. Je pense que cette révolution aujourd'hui restera inscrite dans l'histoire du pays comme un moment essentiel de la renaissance de notre pays. Comment la jeunesse congolaise peut-elle capitaliser cette révolution aujourd'hui? Elle doit la capitaliser à travers déjà le message fondamental de celui qui a été le père de cette révolution, le Mousé Laurent Désiré Kabila. Ce message fondamental, c'est l'auto-prise en charge. Nous, Congolais, devons compter d'abord sur nos propres forces, sur notre propre génie, pour faire de ce pays un grand pays tel que Lumumba l'avait prévu, en disant que l'avenir du Congo est beau. Et donc, je dirais à cette jeunesse congolaise, comme Cheikh Anta Diop, les grands pharaons noirs, les savants africains, a légué à la génération de la jeunesse africaine en leur disant, nous devons nous armer, la jeunesse congolaise doit s'armer de la science jusqu'aux dents. Merci Sir Nils. Mais on a eu un peu de temps.